Minuit chrétien. Ce choral nous invite tous à l'espérance. Faisons nôtre cette prière de tout un peuple qui chante celui qui doit venir. Ouvrons grand notre cœur pour accueillir l'enfant Dieu. Peuple debout, toi qui te reconnais pécheur, car voici ton Rédempteur. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'âme Dieu descendit jusqu'à nous. Pour effacer la tâche originelle et de son Père, arrêtez le courroux. Le monde entier tressaille d'espérance à cette nuit qui lui donne un sauveur. Peuple à genoux, attends ta délivrance. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Noël, Noël, voici le vos fronts devant
la terre est libre et le ciel est ouvert. Il voit un frère où n'était qu'un esclave, l'amour uni, ce qu'enchaîné le fer, qui lui dira notre reconnaissance, c'est pour nous tous qu'il naît, qu'il souffre et meurt. Peuple debout, chante ta délivrance. Noël, Noël, chantant le Rédempteur. Noël, Noël, chantant le du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Sœurs et frères de cette belle assemblée, sœurs et frères téléspectateurs, soyez les bienvenus en cette messe de la nuit de Noël. Le chant que nous avons déjà entendu, la scénette du Père Martin, nous ont mis dans le bain de ceux que nous allons célébrer ce soir. Il y a un peu plus de 2000 ans, le Fils de Dieu est venu chez les hommes. Bien sûr, nous allons célébrer cet anniversaire, mais le Noël d'aujourd'hui, c'est aussi Jésus qui vient dans nos cœurs. Chacun de nous est attendu, désiré par lui. Il vient à notre rencontre. Il vient dans nos joies, dans nos réjouissances, mais il vient aussi dans la nuit de nos souffrances, de nos conditions de vie, de nos péchés. Accueillons-le, accueillons sa lumière qu'elle chasse les ténèbres qui sont en nous. Seigneur, prends pitié. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, tu es le reflet de la tendresse du Père, Kyrie eleison. Yeah.
nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Acclamons Dieu de toute notre force, de tout notre cœur. Dans la nuit de Noël brille une lumière. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo.
et prions ensemble le Seigneur. Seigneur, tu as fait resplendir cette nuit très sainte des clartés de la vraie lumière. De grâce, accorde-nous qu'illuminés dès ici-bas par la révélation de ce mystère, nous goûtions dans le ciel la plénitude de sa joie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Première lecture. Dans la nuit, jaillit la lumière de l'enfant de Noël, qui est le prince de la paix. Lecture du livre d'Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué l'allégresse, tu as fait grandir la joie. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit en faisant la moisson, comme on exulte en partageant les dépouilles des vaincus. Car le joug qui pesait sur eux, le bâton qui meurtrissait leurs épaules, le fouet du chef de corvée, tu les as brisés comme au jour de la victoire sur Madian. Toutes les chaussures des soldats qui piétinaient bruyamment le sol, tous leurs manteaux couverts de sang, les voilà brûlés. Le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. L'insigne du pouvoir est sur son épaule. On proclame son nom. Merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Ainsi, le pouvoir s'étendra, la paix sera sans fin pour David et pour son royaume. Il sera solidement établi sur le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fait l'amour invincible du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour le chant du psaume. Aujourd'hui, sur nous la lumière a resplendi. Grande joie dans le ciel et sur la terre. Admirable, couché dans une étable.
Deuxième lecture. La grâce de Dieu pour tous les hommes s'est manifestée à Noël. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à Tite. La grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. C'est elle qui nous apprend à rejeter le péché et les passions d'ici-bas pour vivre dans le monde présent en hommes raisonnables, justes et religieux, et pour attendre le bonheur que nous espérons avoir quand se manifestera la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et notre Sauveur. Car il s'est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous nous levons pour l'acclamation à l'Évangile. Au cœur de la nuit s'accomplit la merveille, le Messie attendu est là sous nos yeux. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et chacun allait se faire inscrire dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, quitta la ville de Nazareth en Galilée pour monter en Judée, à la ville de David appelée Bethléem, car il était de la maison et de la descendance de David. Il venait se faire inscrire avec Marie, son épouse, qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, arrivèrent les jours où elle devait enfanter, et elle mit au monde son fils premier-né, et l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans les environs se trouvaient des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur s'approcha, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte, mais l'ange leur dit, «
Ne craignez pas, car voici que je viens vous annoncer une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui vous est né un Sauveur dans la ville de David. Il est le Messie, le Seigneur, et voilà le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Maintenant va avoir lieu la procession pour déposer l'enfant Jésus dans la crèche. Vous pouvez vous asseoir. Peuple fidèle, le Seigneur t'appelle. Sur terre, le cœur.
frères et sœurs, un grand format des actualités télévisées nous présentait ces derniers temps un journaliste qui voulait vivre la condition des sans-domicile pendant 48 heures. Il cherchait à comprendre un peu ceux qui essaient de survivre malgré les froids de l'hiver et qui voient les gens faire leurs emplettes pour de belles réjouissances dont ils étaient forcément exclus. Assis au bord du trottoir, pendant des heures, il était plus que congelé. Personne ne le regardait. Même les rares passants qui lui glissaient la pièce regardaient ailleurs. Personne ne lui adressait la parole pour lui réchauffer le cœur. Être isolé et ignoré de tout le monde au milieu de la foule, cela est une lourde épreuve. Et le soir, c'est galère pour obtenir de quoi manger et trouver un lieu pour dormir à l'abri du vent et de la pluie. Pour étendre son carton par terre, cela était très difficile. Son témoignage bouleversant m'a fait penser à ce qui s'est passé à Noël. Le Fils de Dieu est venu partager notre condition humaine. Il est né au hasard d'un voyage. Ses parents n'avaient obtenu aucune place pour lui. Ils ont finalement trouvé un refuge à l'extérieur de Bethléem et c'est là qu'ils l'ont couché dans une mangeoire d'animaux. Ses visiteurs étaient des bergers. À l'époque, les bergers étaient des gens rejetés, méprisés, exclus. C'étaient des sans-toit, des sans-avenir, des sans-renommée. Eh bien, Jésus est venu vivre notre vie d'homme, pas seulement 48 heures, mais il a traversé l'existence dans une pauvreté matérielle totale. Il n'était préoccupé que du bien des autres. Son message est un message d'amour de Dieu et d'amour des hommes. Dieu a vu la misère des hommes. Il a vu ce qui enténèbre leur vie. Alors, il lie son sort au sort des hommes. Et c'est Noël. Il envoie son Fils, le Fils de Dieu, pour vivre notre condition humaine. Le Fils de Dieu s'est fait homme. Pour ceux qui ne croient pas, c'est de la pure folie. Penser que le Fils de Dieu s'est fait homme, penser que le Fils de Dieu vient dans des conditions de pauvreté extrême pour vivre cela, comment est-il concevable que Dieu veuille remplir notre vie de sa présence? Pour ceux qui ne croient pas, c'est de la folie, saint Paul l'avait déjà dit. Jésus, qu'on appelle Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous, eh bien c'est celui-là qui manifeste cet immense amour de Dieu pour chacune et chacun de nous. La naissance de Jésus à Bethléem est son incarnation dans chaque vie. Il veut partager chacune de nos vies. Il n'est pas né pour rester à l'extérieur de nos vies, mais il est venu pour entrer dans notre existence et vivre notre vie avec nous. Voilà le désir de Dieu. Et depuis cette première venue de Jésus à Bethléem, chaque personne humaine est appelée à être une crèche où Jésus veut naître. Il y a parfois des crèches aux portes fermées, c'est vrai. Il y en a d'autres un peu encombrées, de telle sorte qu'il n'y a plus de place pour personne en eux. Mais il y en a d'autres qui sont prêtes à accueillir. Jésus frappe à chaque porte, quelles que soient nos pauvretés, nos lâchetés, nos péchés. Eh bien, Jésus ne refuse pas de venir auprès de nous, car son amour est plus fort que toutes nos lâchetés et que tous nos péchés. Que nous soyons pratiquants ou non, que nous soyons croyants ou non, que nous soyons dignes de considération ou non, eh bien,
nous avons bien fait de venir en cette messe pour fêter Jésus, car chez lui, nous sommes chez nous. Noël, c'est donc la fête de l'Emmanuel, de Dieu qui vient demeurer chez les hommes. Il vient sous les traits d'un petit enfant. Il ne veut pas s'imposer. Il ne veut pas nous faire peur avec sa grandeur, sa divinité. Il ne veut pas nous effaroucher. Il n'est pas le Dieu qui condamne. Il n'est pas le Dieu qui sanctionne. Mais il est le Dieu amour qui, comme un enfant, ouvre ses bras à chacune et à chacun de nous. Il nous apporte sa tendresse, il nous apporte sa force d'aimer. C'est avec nous, pas tout seul, c'est avec nous qu'il veut rendre notre monde plus beau. Il y a 6 ans, j'ai eu la belle surprise, j'étais des jeunes dans un IMPRO. Nous avons bavardé ensemble. Et voilà qu'ils se sont mis à discuter d'un des leurs, qui s'appelait Gilles. Il avait déjà subi 5 opérations et il ne marchait pas encore correctement. Dans quelques semaines, lorsque je les avais rencontrés, il devait en subir 1/6. Alors l'un des jeunes lui pose la question, « Gilles, d'après toi, est-ce que Dieu t'aime vraiment ?» Et au bout d'un court instant, Gilles a répondu ceci. « Oui, il m'aime, mais il me laisse ma part. » On ne s'attendait pas à cette réponse. Malgré l'épreuve qu'il traversait, il a compris que Jésus n'agissait pas tout seul, mais qu'il agissait avec nous. Puissions-nous le comprendre en cette soirée, en cette nuit de Noël ? À Noël, Dieu veut naître dans nos vies et avec nous, il veut rendre le monde plus beau et plus fraternel. Il compte sur chacune et chacun de nous, quelles que soient nos capacités. Eh bien, Seigneur, fais de nous des messagers de ta paix, des messagers de ton amour. Amen. En ce Dieu qui nous a donné son Fils Jésus, en ce Dieu qui se penche sur nous comme une mère sur son enfant, nous croyons de tout notre cœur. Je crois en Dieu qui est lumière, je crois en Dieu, il est mon Père. Le ciel et la terre, tout ce qui vit.
a manifesté sa bonté et sa tendresse à tous les hommes. Pour le salut du monde, Seigneur Jésus, nous te prions. Seigneur, sagesse éternelle, lumière de Noël, c'est toi notre espérance, Seigneur, exauce-nous. Répandant ton amour dans le monde, Seigneur Jésus, nous te prions. Seigneur, sagesse éternelle, lumière de Noël, c'est toi notre espérance, Seigneur, exauce-nous. Pour ceux qui reconnaissent en Jésus-Christ la bonne nouvelle de leur vie et qui leur donne des mains de miséricorde, des mains de solidarité à l'égard de leurs frères et sœurs, surtout les plus démunis, Seigneur Jésus, nous te prions. Seigneur, sagesse éternelle, qui te donne une bouche pour dénoncer l'injustice qui écrase tant de personnes, pour prendre la défense des opprimés, des sans-famille, les prisonniers, des victimes de violences. Seigneur Jésus, nous te prions. Seigneur, sagesse éternelle, qui te donne un cœur qui s'est accueilli, apporter, réconfort, comprendre la misère des autres, promouvoir la justice et la paix. Pour ce qui te donne un cœur largement ouvert aux enfants, Seigneur Jésus, nous te prions. Seigneur, venu nous relever l'immense amour dont Dieu nous aime. Apprends à notre communauté paroissiale le langage de la fraternité, de la réconciliation, de la prière et accueille auprès de toi Paul Labourse, décédé à Montréal. Seigneur Jésus, nous te prions. Dieu notre Père, en nous donnant ton Fils Jésus, tu nous as tout donné. Plein de confiance, nous déposons devant toi toutes les autres intentions que nous portons en nous, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir.
pour le chant d'offertoire. Allons, bergers, allons tous, l'ange nous appelle, un sauveur est né pour nous. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et de sa bonne. Accepte, Seigneur, notre sacrifice en cette nuit de Noël. Et dans un prodigieux échange, nous deviendrons semblables à ton Fils, en qui notre nature est unie à la tienne, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire,
de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle, dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Salve Seigneur, salve notre Dieu, parole et bonne nouvelle. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton Esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Qui était mort, gloire à toi qui es vivant. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi.
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre évêque Pierre, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et frères qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Pense plus spécialement à Gustave Thibault, son fils, les époux Thibault d'Isnard et Apestegui, les époux Eugène d'Etcheverry, Joseph d'Ibarat, les défunts de la famille, Orsini et d'Etcheverry, les époux Louis Lafargue, Roger et les époux Martin Jean Toiseau, les époux Jean Ledu, Marie et Marie-Lise Friou, les époux Raymond Morazé, Marius et François Julien, Claude et Odile Arthur, et les défunts de la famille et les âmes du purgatoire, Lisèle Desribles, Gérard Alain d'Etcheverry et les défunts de la famille, Léon Nicolas, Bruno Bouvet, Marie-Agnès, Louis, les époux Alfred Olano, Marie Chenel, Eugénie Bouvet, Martine et Louis l'Espagnol, les défunts des familles Plat et Fontaine. Et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Nous l'avons appris de Jésus, que tu nous as donné, Dieu notre Père, pour nous conduire jusqu'à toi, eh bien nous osons chanter. Oh.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Eh bien, frères et sœurs, partageons fraternellement, joyeusement, cette paix reçue du Seigneur. La paix du Christ est avec toi. La paix du Christ. Agneau de Dieu, reconnu par les bergers, prends pitié de nous et donne-nous la paix. Les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Obscur, un doux sauveur est né. Les personnes qui désirent communier peuvent s'avancer et les autres personnes peuvent s'asseoir. Nous distribuons la communion. Une personne va au fond de l'église, trois personnes sont devant. Et puis, sur les tribunes, il y a également quelqu'un qui montera sur les tribunes. Thank you.
À Bethléem, Jésus est né. Le Fils de Dieu nous est donné. Humanité, il nous a pauvres.
Et ensemble, prions le Seigneur. Joyeux de célébrer dans ces mystères la naissance de notre Rédempteur, nous te prions, Seigneur notre Dieu, donne-nous de parvenir, après une vie toujours plus fidèle, jusqu'à la communion glorieuse avec ton Fils bien-aimé, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dans son amour infini, Dieu a donné son Fils au monde pour en dissiper les ténèbres. Par le mystère de la nativité du Christ, il a fait resplendir cette nuit très sainte, qu'il vous sauve de l'aveuglement du péché, qu'il ouvre vos yeux à sa lumière. Alléluia. Amen. Il a voulu que les bergers reçoivent d'un ange l'annonce d'une grande joie pour tout le peuple, qu'ils mettent en vos cœurs cette même joie et vous prennent comme messagers de la bonne nouvelle. Aujourd'hui, il vous est né un sauveur. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre. Qu'il vous donne sa paix, qu'il vous tienne en sa bienveillance, qu'il vous unisse dès maintenant à l'Église du ciel. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Et avant de conclure cette Eucharistie festive, je voudrais remercier évidemment toutes les chorales, celle de Saint-Christophe, la chorale paroissiale. Je voudrais remercier les dirigeants de chant, ainsi que ici et au niveau de la chorale, les organistes. Je voudrais remercier les servants d'autel, je voudrais remercier ceux qui ont si bien décoré cette église, qui ont pris le temps de la décorer. Je voudrais remercier les jeunes qui ont confectionné ces merveilleuses étoiles. Ce sont les jeunes des cycles aménagés qui ont confectionné ces merveilleuses étoiles. Un très grand merci pour tout cela. Je voudrais également remercier tous les techniciens et toutes les personnes de RFO, SPM Première, pardon, qui ont pris cette Eucharistie. Enfin, je ne voudrais oublier personne, mais je vous remercie, vous tous. Grâce à vous tous, la joie était plénière, elle était ample, elle était soutenue. Merci d'être venu à cette célébration de Noël. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Les anges dans nos campagnes. Thank you.
divine.